Ouais. Record. Ouais, c'est parti là, je lance le live et le record. Ok. Voilà, bonjour à tous et à toutes pour le match en direct des What Elves, c'est bien ça, contre les Imperials. Ouais, voilà, ça. What Elves contre Imperial. Voilà, je suis accompagné de Satanas. Bonsoir, Satanas. Bonjour à tous et à toutes. Comment vas-tu, Satan? Alors, on je fais un petit fake, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent en direct. Dès le début, ça serait un peu perdu, mais c'est pas très grave. Vas-y, reprends. Donc. Je disais, et de partout, il y a ce smiley comme tout le monde peut le voir. Composition des teams pour ce qui est des Wattels, nous avons Tatsumaki, Yandal, Darcy et Narcissmus. Narcissmus. Alors, regarde vraiment comment c'est comme ce mec. Narcisse, tu vois. Donc, voilà. Dans le game, tu dirais Narcisse. Ouais, voilà, on va l'appeler Narcisse. Pour ça. Pour ce qui est des Imperials, nous avons My Navy, Jello. On va l'appeler Jello, Neoxid, Mia. Et qui est... c'était le quatrième en fait. C'est Critical qui revient. Ça me fait penser à la fin. Sally, si elle nous écoute aujourd'hui, mais je ne pense pas. Oh, quelle folle! Donc, le match aura lieu sur Neden 3, 30 minutes de plaisir. Et ce soir, on se fait un plaisir de commenter pour vous. En direct, on va dire ça. Ouais, voilà, c'est en live. En direct, avec un petit décalage. C'est le top du top! Attends, t'as un petit décalage sur le live? Ouais, c'est grave. Chose, hein. Qu'est-ce qu'il fout au Critical? Je sais pas, il a dit. Je ne sais pas. Ça se trouve, les mêmes tâches, hein. Bon, déjà, je vais le mettre ready. Au moins, ça sera fait. Ah, par contre, elle est blindée la ronde. Du coup, ça me fait lag un petit peu. Ah, moi, j'ai quelques pics. J'espère que ça va pas me faire crocher pour commencer. Non, ça va être bon, je pense. Ça va être bon. Ah, faut savoir déjà que les Wattels, ils sont chauds là. On vient faire deux matchs contre eux, ils ont gagné en passant, mais bon, ils sont chauds. Ils sont chauds, on les reprendra, t'inquiète pas. Ouais, ils sont chauds. Donc, je pense. En plus, c'est la même équipe. C'est la même équipe, non? Le Yandal, il était. Je sais pas, peut-être que ça aurait un peu plus changé, vu que c'est un bon striker. Mais bon, là, ça va. J'ai vu, c'est Anchi hier quand même. Hein. Donc, vu que c'est une map un peu Anchi. Ouais, c'est un peu. Beaucoup, oui. Un peu beaucoup, ouais. De toute façon, l'erreur basique de Lidl, l'erreur de Lidl, ça fait kill la balle au mauvais moment, c'est ça. C'est sûr, mais on le sait très bien. Parce que. La basique, c'est je me mets devant la fenêtre, je fais coucou, j'attends de me faire tuer, je trouve ça quand même. Normalement, tout le monde la connaît, celle-ci. Maintenant, elle ne devrait plus trop passer. Mais... tout le monde l'a déjà. Quand t'as fait les kills, quand t'as fait les kills. Tout le monde l'a déjà fait celle-là, je crois. Ça passe quand même. Je sais même pas si ça fait comme les Side 3, putain. Tu te rappelles Side 3? Side 3, pareil. Side, c'est un ange qui est tranquille. C'est un ange. Donc, alors c'est en S5 Rulès. Ils ont rajouté une petite règle entre eux, c'est No Breaker. Ouais. C'est une petite règle. Très logique quand même aussi. Hein. Putain, non, ça casse peut-être le bon. C'est vrai que quand tu regardes pour la. C'est les S4 ou je sais pas. Ouais, enfin bon. Le tournoi là qui avait interdit le Smash. Ouais, qui avait interdit. La Sobif aussi. Et on voit pas pourquoi ils ont pas des Killer Breakers derrière. C'est vrai que ça semble bien. Non, moi franchement, le breaker, je trouve c'est équilibré hein, par rapport aux autres shorts et tout. Je la trouve pas abusée. Ouais, enfin, après, là, la distance du jump et la carte. Enfin, je veux dire, le match a commencé. Quand tu fais ton jump attack, et ben, ouais, tu vois, t'as un petit temps d'arrêt. Alors que le breaker, tu peux enchaîner, il y a un truc de malade, quoi. Ouais, t'as l'impression de faire des coups de déplacement instantané, là. Bref, revenons le match, Darcy qui a récupéré la balle, qui va tenter de l'écarter, qui est suivi de Tetsumaki qui va essayer des jets, qui monte sur le toit, et qui s'est fait, malheureusement, il est là.
Par tout seul, est-ce qu'il y a des petits déjeuners? Petit col qui ne sait pas faire, bon, il est coincé en bas. Ouais, je pense qu'il faut exprès, il faut exprès de pas le tuer là. Oui, c'est fait. C'est une fois pareil, ils sont mis bien une fois en bas, normalement ils auraient dû casser la tête. Voilà, il y a les abris. Parce qu'une fois en bas, t'es bien dans la merde pour remonter. Ah, j'avoue. Yandal qui tombe, suivi par Gélor qui va essayer de le kill. Il aura pas le temps. Yandal il remonte. Tranquillement. Tatsumaki qui passe devant avec sa batte, sûrement faire le ménage. Certainement sa bombe, comme tout à l'heure il a pu nous montrer. Il fait chier avec sa bombe. Putain, sérieux, ouais. Ouais, mais je pensais qu'il est dans cette map quand même. Non, il n'y aura pas de bombe parce que. Voilà, il n'y aura pas de bombe, je pense. Ouais, Delol. Toujours Delol, on voit rien du tout, c'est chiant. Merci qui récupère la balle. Il s'est attaqué par Critical qui s'est intercepté par Tatsumaki. Ouais, merci. Pour j'ai une attaque à la bleach là. Oh, Tatsumaki Théo qui a fait un truc wifi. Alors là, ça... C'est moi qui rêve ou il bug? Bah moi aussi j'ai un bug. Je les vois laguer pas mal, alors je sais pas si c'est avec l'enregistrement et tout ça. Tatsumaki qui monte. Tatsumaki qui récupère la balle. Ah, si, il a pris la bombe. Ah, il a pris la bombe pour qui a pris la bombe, exact. Il se suicide. Eh, mais la technique du suicide est pas si mal, finalement, je trouve. Ouais, c'est vrai. Eh, ouais, tu te suicides devant la fenêtre. Tiens, c'est jamais vu, ça. Yandal qui est tout seul. Yandal qui va. Nardis qui était de le protéger et de le cover. Nardal qui va pour donner un petit coup. Ah, c'est dangereux de prendre la balle. Nardal qui part toujours tout seul. Yandal, allez, de l'autre côté, logique, mais qui se rate. Qui s'est récupéré de Darty. Darty qui est tout seul, qui se défend. Darty qui ne veut pas laisser son cul à l'air. Mia qui récupère la balle. Ah, mais... Mia passe par le tunnel pour rejoindre la maison. Alors là, il nous a acheté une petite bombe dans le tunnel. Ah, Yandal, il joue snipe, quoi, c'est original aussi. Ah, ouais, ça fait le ménage un peu. Ah là ils ont ah tout. Ouais, putain, j'avais pas fait gaffe. Ah, tu perds. Ah, le hanche. Ah, Darty qui va, Darty qui va. Et ah, touchdown. C'était imprévu quand même, hein. Pas après, c'est vrai que je trouve comment Trainer a pris le snipe. Parce que le snipe, voilà, pour empêcher les coups de hanche, c'est super cool. Ah, mais généralement, mec, quand il fait le coup de hanche, il est caché par le wall, tu sais, quand il sort de la fenêtre. Ou... Ouais, non, mais tu peux passer Quoique, après, si ce gars s'en sert bien. Et tu vois, de l'autre côté, ils ont mis une sentrie, les impériales, toujours. Moi, j'aime pas du tout les... Enfin, c'est vrai que c'est chiant, mais les sentries... Ça peut te sauver comme ça peut te niquer, encore une fois, parce qu'une fois que t'es low, si elle kill la balle, c'est gênant, quoi. C'est vrai. Critical qui a récupéré la balle. Critical suivi des Tatsumaki qui va essayer. D'ailleurs, j'ai une question qui me trotte la tête depuis un moment. J'ai l'impression qu'ils ont remodifié un peu les pêches de sentries. Et là... Les pêches de sentries sont maintenant plus puissantes, je crois. Je sais pas du tout. C'est vrai qu'il faut pas. Par contre, je pense qu'ils ont modifié les stuns, ça. Par contre, je... Et change de tir entre Néo et des Nardis. Parce qu'il y a de plus en plus de stuns de fou. Hein. Book kill du angle de Nardis. Les stuns. Ouais. Là, je fais des lives. Moi, je me rappelle, il faut toujours être un truc de malade, les stuns. Hein. Faut toujours être un truc de pute. Hein. Ouais, mais maintenant, t'en vois vraiment à 50 mètres, quoi, des stuns. Sauf les nerfs, je sais pas pourquoi. Eh, mais je suis bon aussi, je peux cacher quand même. Non, c'est Tatsumaki encore, qui a fait un bon. Ouais. Alors là, ils font des entures trop basiques, quoi, donc ils vont se faire. C'est parce qu'en fait, il y avait le bon encore sur lui, c'est le truc tout. Ah non, mais c'est trop prévisible. Nardis qui récupère la balle, il tente le 1. Ouais, ça, c'est un caché. Bon, il a pas. Je pense qu'il a plus assez d'SP, il fonce. Il est suivi des Darty. Nazisme tout seul qui va être cover par Yandal ainsi que Darty. Il va passer par la fenêtre. Côté, exact. Il va réussir. Ouais, bien joué de sa part. Bien joué. C'est super. Alors là, j'ai l'air d'un truc. Il était de scène. Est-ce que Yandal va réussir? Il est toujours tout seul. La balle est toute seule. Darty récupère la balle. Éjecte.
Ah, là, il y a moyen de bien contre-attaquer. Critical, la récupérer, ouais, c'est parti pour la contre-attaque. Ils font vraiment contre-attaquer, ils ont peut-être dû faire un reset. On va voir ça. Ah, c'est récupéré par Narzis Mus. C'est dommage. Narzis qui fonce. Narzis qui passe. Oh là là, il est tout seul. Ah, il l'a mis. Touchdown. Eh oui. J'ai bien aimé le petit cassage de pont n'importe comment. C'était du gros Navarrec. Le deuxième hit après. Non, mais déjà sur la contre-attaque, il y a eu une erreur, c'est qu'ils étaient tous morts. Il aurait pu la reset, ça aurait fait une contre-attaque plus rapide, je pense. Ouais. Généralement, on dit ça quand on parle, mais bon, on sait pas trop comment ça s'est passé. On n'était pas à leur place. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu le faire. On est à 2-0 pour les Wattels. Ouais, 2-0 pour les Wattels. Toujours Tata Saki, suivi de Narzis. Ils sont coincés en bas apparemment, il attend de se faire kill. Ah là, faut pas monter. Hein. Reload, reload. Critical qui vient mettre fin. Critical qui vient partir avec un hanche. Là, ah, là, il la reset ouais, pour Gelor. Il reset pour Gelor. Gelor passe. Oh, c'est fail. Oh, c'est bien joué de sa part. Gelor qui part tout seul. Il va pas faire long feu. Face à Narzis. Ah, dommage. Dommage pour Neufis qui a récupéré la balle. Narzis qui fonce dans son tunnel. Narzis seul. Je ne sais pas ce qu'il attend. D'accord. Il va faire quoi là? De plus en plus de joueurs commencent à faire un peu de cancer, est-ce que je vois? Ah, c'est raté. Oh non. Oui. C'est moi qui l'ai. Heureusement qu'il n'y avait personne. Il va, il y va. Lianda le récupère pour une mise en jeu. Keller prend la balle, il va contre-attaquer, il jump, il est seul, là il... Et il aurait dû détruire. Oh, c'est raté, bien joué de la part des Wattels, c'était dommage aussi, hein. Il avait bien joué là, j'ai l'air. Ah, ça c'était les appareils. Ah, il la dash un petit peu trop tôt. Attends, je suis en... Donc là, il y a la... Contre-attaque de Darty. Ouais, merde. Ceux qui ont défendu, c'était les Wattels. Ah ouais. Oh, ouais, c'est les Wattels qui ont défendu. Ah mais non, mais c'était l'action. C'était l'action de l'intérieur qui valait. Voilà, n'importe. Alors, un combat épique. Un combat épique se passe à génocide. C'est Tsuba qui se lâche. Il allait finir un gars, il revient. Bon, les gars, je reviens. Ah ouais, allez, ça se touche dessus, quoi. Darty, qu'est-ce qu'il fait? Ethan, Ethan. Est-ce que c'était tout à l'heure Darty qui fait coucou, je suis là, tu es moi? Ah non, mais là, Ethan, là, il me fait exprès, quoi. Ah ouais, il me fait exprès, bah oui, c'est sûr. Et c'est fait tuer par Mia. C'est parti. Darty se récupère. Oui, t'as un hanche. Il passe. Il passe. Critical récupère la balle. Ouais, il va peut-être se sauver. C'est parti, il dégage la balle. Tatsuma qui a voulu faire un strike raté. Critical est tout seul. Critical est tout seul. Il va pas faire le coup. Faut voler. Oh là là. Merci, s'occupe de la balle. Il est en chemin. C'est merci. Prends la balle. Ah, il va dans le tunnel pour gagner du temps. Critical qui arrive à temps, mais et non, il s'est fait battre. Ouais, Tatsuma qui lui a mis un petit coup de batte là au passage. Ah, je sais pas. On va lui demander s'il fait du baseball, lui réel quoi. Ah là, on a vu le slide. Il faut pas la batte. Ouais. Il a dit ouais. Narzis, toujours Narzis, double hunch. Il monte sur le toit, il va attendre ses coéquipiers. Je pense parce que là, il est 3, limite 4 bientôt. Ouais, il attend rien. Il fonce tranquille, beau gosse, il fonce. Je comprends pas, pour ma part, je rate. J'ai attendu les coéquipiers alors que là, il va avoir l'opportunité de donner la balle à la. Oh, ça va marquer là, je pense. Darty récupère, mais il joue pas, c'est la tête de balle. Tu es Darty qui récupère la balle. Et c'est touchdown. Touchdown! Ouais, mais ils jouent pas assez l'attaque de Marker. Hein. Ouais, le souci c'est qu'il tue la balle au mauvais moment aussi. Il y a des fois où il faut laisser la balle, enfin le porteur de balle tranquille. Ouais, ou à la limite, si on le tue, on la récupère quoi. Il la laisse, c'est ça. Ouais, certains la récupèrent. Narzis accompagné de Tsu. Ah, décidément, j'ai du mal à dire son nom, lui, à Tatsu.
Tatsumaki. Vas-y, imagine ça. Il attaque à la beach là. Tatsumaki. Je vais prendre Naoto Uzumaki, tu vois. Tatsumaki. Ouais, c'est, franchement, c'est Narzis. J'ai mal à dire. Narzis. Narzis. Généralement, c'est, tu prends diminutif pour être plus rapide. Narzis. Narzis. Ouais. Ok, c'est Critical qui récupère la balle pour une contre-attaque. Il y va tout droit. Gelon essaie de couvrir. Tatsumaki. Attention. Il a tué Gelon. La bombe qui s'est fail. Elle échange de tir. Elle échange de tir. Il est suivi de Neo. Neo qui se tue. Critical est seul. Éjecte. A-t-il une récup? Non, Yandal récupère la balle. Yandal va lancer le punch. Finir par main. Marqué du côté de la parallèle avec le Pichi 3, peut-être que ça les aidera. Ah, espérons que ça les aide aussi, attends. Non, je pense que ça va falloir, ah, va falloir se méfier du côté Wattel. Ah, le problème, c'est que Tatsumaki qui la batte avec son stuff un peu chiant, là, qui est en train de les titiller, on dira. Ouais, regarde-le, quoi, il y va direct dans leur camp, il s'amuse. Ah, tranquille, il est là. Ok, Critical récupère la balle, là, suivi de Jellor, Mia devrait l'aider. C'est ce qu'il fait. Critical part tout seul. Essaye d'ouvrir le chemin. C'est le porteur de la balle. Récupération de la balle de Jellor. Jellor qui va prendre la balle. Jellor s'est arrêté. La balle tombe en bas. Darcy passe par le tunnel. Darcy cherche par la balle. Nous avons... Et joue un duel avec Mia. C'est même pas un duel là. Mia il court et puis Darcy tire quoi. J'ai... Ouais. Un duel d'esquive, en fait. Mais c'est quand même Mia qui donc. Mia récupère. Et là, Mia il attend de se faire tuer en fait. Elle se donne, c'est ça? Ah, mais non. Ah, mais oui, ça, c'est... là j'ai pas compris son action du elle coup. Elle a raté, franchement, là c'est une action ratée, c'est dommage. Donc, c'est fait, elle mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce avance, qu'il fait Mia, avance. Va au moins vers les tonneaux, ça sera plus facile. Voilà, c'est bien. Oh putain. Et style d'or. Est-ce que Yandal m'entend? Est-ce que Yandal m'entend? Yandal qui récupère la balle suivie de Tatsumaki ainsi que de Tarty. Yandal, je pense qu'il va aller sur le côté de la fenêtre pour privilégier ses coéquipiers. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a reset. Il a bien joué là, il a bien joué le reset. C'est dommage qu'ils sont tous morts. Non. Là, c'était pas. Il n'a pas joué en fait. Ils étaient pas en accord. Mia qui récupère et touchdown. Ah là, c'était un petit cadeau, mais c'est pas voilà. Grave, tant mieux. Une petite erreur peut permettre à votre adversaire de marquer. De toute façon. Là, je pense qu'ils sont en train de râler, mais c'est pas grave. Non, mais dans l'idée, c'était pas mal. Il a vu que le rush était fichu. Là, il y a. Il s'est dit peut-être que le premier qui est mort, il a eu le temps de respirer. Ouais, mais... dans l'idée. Et... Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut. Enfin, je sais pas s'ils ont un vocal actif. Parce que il aurait dû se mettre d'accord avec ses coéquipiers. Parce que c'est généralement c'est avec eux que tu joues quoi. Yandal qui récupère la balle, qui va hunch. Yandal qui s'est arrêté par le Gellor qui fonce sur le toit. Alors il passe au centre. Gellor qui fonce toujours tout seul. Je comprends pas l'idée où, de passer en. Ouais, ça sert à rien de descendre, parce que même pour Ancho, ouais. C'est chaud, quoi. T'es à la portée, tout le monde te tire dessus. C'est le coin esquivé, normalement, en bas. Et eux, dès qu'ils ont plus d'SP, ils se jettent dedans, quoi. C'est le coin tempo, en bas. Ce qu'ils font... Ouais, mais tu sais ce qu'ils font, ils attendent en bas pour se faire killer et ensuite être récupéré par un Ancho, mais bon... Ouais, mais même l'Ancho, il est pas en super bonne position. Ouais, hein. C'est vrai, exact. Mais bon, c'est en même temps, on va dire que c'est le seul moyen qui est le plus rapide pour aller marquer, tu vois. Parce que si tu dois attendre que les tonneaux, les caisses réapparaissent, t'en as du temps, hein. Ouais, mais vaut mieux rester à la fenêtre quand t'as du monde derrière. Ouais. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais quand ils sont en bas, tu vois. Bon, alors là, ça c'est fini, c'est la mi-temps. 3-1 pour les Waddells. C'est un peu l'espoir qu'on puisse mater ça. Ouais. Il y a 133 pour Imperial Critical, 104 pour Mia, 96 pour Neoxide, 82 pour Gellor. Et de l'autre côté, du côté Waddells, il y a 114 pour les Waddells, 90 pour Lyandal, 86 pour Narzismus et 55 pour Tatsumaki. Donc il y a une domination au score qui est quand même impériale. Hein. Et c'est assez flagrant, hein, sachant que Mia a mis 1 TD, Darty, 2 TD. Et pour l'équipe de Waddells,
et Nardi un TD. Remise en jeu de la balle, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Récupéré par Diela, j'ai eu un de ces bugs là. Putain, j'ai vu Sangoku. C'est pas pour vous, non? Neuxi récupère, il tente un hunch. Il se fait éjecter par Gendal. Il essaie de monter par les caisses, mais on le casse. Aussi, dommage. Tu toujours là avec sa batte. Hein, ils vont détruire tout le décor. Hein. Il y a une caisse, les gars, détruisez-la. Voilà, c'est bien. J'ai l'air de venir essayer de le. Ah là, ils ont fait vraiment toutes les caisses. Hein. Voilà. Hop là, c'est le. Tardis récupère, on va tenter le 1. C'est dommage, Tatsumaki a fait le ménage. Et en plus ça rime, putain. Tatsumaki éloigne la balle. Il passe par le tunnel. Putain, si un jour tu rentres comme ça dans une porte en tournant sur toi-même, tu m'appelles. Ah, Miss Jello, on s'est fait finir. Ah, très mauvaise position là. Le qui fonce tout seul et qui tombe, pas pourquoi. C'est énorme. Pareil, il a fait ce que j'aime. Ah, peut-être parce qu'il n'était pas suivi. Peut-être pour ça. Critical qui récupère la balle, qui va. C'est pour Jello. My name is Jello, qui va foncer. Jello, qui hanche. Dommage pour lui. Ah, il a bloqué la balle, quand même. Ouais. Et là, il y a eu un Boston de Mia qui a stoppé la relance. De sa part, Et bonne réaction après l'avoir tenu, il s'est occupé de Darty. Si Sata, tu serais en train de filmer, je t'aurais demandé un ralenti là pour cette action parce que franchement, Narzimus qui récupère. Mais il se fait intercepter par Gellar. Voilà, il joue un peu avec eux. Gellar qui récupère la balle. Et non, faut pas qu'il redette tout de suite. Incompréhension de team. Je crois qu'ils ont pas même belle là. Ils ont même belle ou pas? Ouais, ils sont aucun vocal encore. Faut qu'ils parlent entre eux parce que là, franchement. Ah, ils ont pas même belle. Ils ont pas de vocal. Elles sont plus. Putain, ouais, c'est normal, c'est la merde. Hein. Voilà, parce que là, ouais. Mais surtout qu'il a vu les 4 joueurs quoi. Rien pas quand tu vois les 4 devant toi. Enfin, les 3 devant toi. Là, ça m'a marqué, je crois. Ça fait chaud. Darty qui récupère. Noxid qui est. Il a raté la balle. Noxid a joué. Et j'ai alors qui vient sauver au dernier moment. Mia. Mia qui arrive. Mia qui a bien joué son coup. Bien joué. Oui, ça c'était très joli. La petite hachée touchdown. C'est vraiment joli là. Il les a bien passés en plus du pont. Belle, on va pas dire contre-attaque, mais on va dire belle attaque quand même. Hein. Nous sommes à 3-2 pour les Wattels. Une petite remontée, un TD d'écart. Ouais, plus qu'un TD d'écart entre les Wattels et les Impériales. Exact. Il commence à être chaud. Alors, Narcissus. Il avance. Et il s'est fait bien stopper par Critical. Et Hanche, la balle reste bloquée sur le coin de la main. Mia qui récupère cette balle. Mia, il est chaud là, Mia. Franchement, il est au top de ce niveau là, je le sens. Ouais, il y a récupéré. Et bah, c'est l'affaire, hein. Darty qui récupère. Ah, mauvaise. Ouais, ça aurait dû casser. Narcissus qui y va. C'est le point, hein. Ah, il s'est bien fait stun par Mia. Mia va essayer de l'arrêter. Tatsu qui arrive au bon moment. Oh, touchdown. Putain. Il est arrivé à point. Il doit être dégoûté. 4-2 pour l'équipe des Wattels. Ouais, bon relais de Tatsumaki là. Il arrive au bon moment. Gellar qui s'empare de la balle en premier, qui essaye d'aller dans le corps adverse, qui l'a fait tomber. Darty va récupérer cette balle. Il fait le tour par le tunnel. Qui est cover par Leidal. Yandal, putain, je suis en train de m'embrouiller, 1, 2, 3. Il fait des accents anglais et tout. Je vois un peu. Et là, c'est Gellar qui a bien été stoppé là. Hein. Je pense que ça aurait été le TD s'il l'avait pas stoppé. Gellar qui fonce tout seul. Gellar qui est cover par Mia. Mia qui récupère la balle. Mia qui. Non, il a essayé de se défendre et récupérer la balle. Ouais. Ah,
bien joué. C'est dommage, c'est parce que j'étais un peu trop, sinon là, là on avait été passer de 1 tranquillement. Merci qui se met devant la fenêtre. On avait fait une vraie dame, tu as remarqué quoi. Yeah. En fait, il y a Blade, son propre coéquipier, si vous avez remarqué. Son coéquipier a voulu le tuer, mais bon. Ouais, mais ouais, il avait jeté sa bombe, mais c'est pas totalement foiré, parce que je crois que c'est Gelor qui est monté là-haut et qui se l'est bouffé là. Mais je pense que c'est. Déchiré par Nazis, ce bel arrêt de sa part qui fonce tout seul. Il a fait une belle avancée de la balle, c'est très bien de sa part. Il récupère la balle, il monte sur le toit et il se fait donc il va au centre, il va casser le cas. Il y a tout le monde là au milieu. Dès lors qu'il essaie de se prendre contre la continentale, dès lors qu'il est toujours tout seul, Tatsumaki qui va tenter de faire un strike, c'est raté, mais il récupère quand même la balle. Il fonce. Patsu qui est seul. Pourquoi il descend? Explique-moi, je comprends pas. Choix, mais non plus, je comprends pas. Ouais, c'était peut-être pour rien. Oh, le stun. Coucou, c'est moi. Là, c'est mauvais pour eux. Pourquoi quoi c'est normal. Nardimus qui attaque, qui se laisse pas faire. Ah, c'est dommage, Darty qui était derrière. On va arrêter cette balle, mais c'est un mauvais choix quand même. Ah non, Milia, allez la prendre, il l'a intercepté. Il y a qui récupère la balle et qui a pas assez d'espèces. Donc qui va attendre apparemment. Et ils l'ont tué, ils l'ont tué. Bon, elle va se donner, non? Oui, non? Oui. Ouais, c'est et Taylor qui récupère la balle. Il attend, il essaye de hanche, il essaye de trouver. Mais ils arrivent, ils veulent pas le laisser. Ah dommage, il allait passer. Putain, prends cette soirée de bouclier. Viens d'un petit. C'est l'arme ultime du jeu. Darcy qui récupère cette balle, mais qui s'est fait défoncer la gueule par un bon petit réveau de Néoxyde. Il s'est même tué. Ah. Le récupérer, t'es déjà. Bon, mais Néoxyde s'est fait un petit triplé là dans le normal. Néoxyde qui a l'air d'être chaud. Gelor qui récupère. Gelor qui arrive, il a récupéré. Il est en jeu. Il s'est fait battre. Gelor qui tombe. Échange de tir entre Nardis et Gelor. Nardis qui récupère, qui veut, je pense, va la dégager. Il hanche, il est loin de la balle de son camp. Il va passer par le tunnel, ouais, voilà. Okay, de toute façon, c'est ce qu'ils veulent faire du donc. Il campe ce tunnel, comme si cette grotte était sa tanière. Nardimus, oh, il esquive une PS. Il a bien esquivé le petit stun. Et hop, il remonte en plus, avec un petit RC. Un petit rideau de cancel, je dis. Bien joué de sa part. Ouais, il a un beau jeu là, franchement, Il a fait un beau trajet là, il a fait un beau trajet. C'est ouais, en PR ou quoi là? Ouais, il gère le RC. Hein. Alors, Néoxyde qui est seul, non, il est accompagné de Gelor et Critical. Oh, Gelor qui s'est fait attaquer. Narcissus, il a encore un peu fait le ménage à la PS. Mia est là, exact. Mia qui tente de réchauffer. J'ai d'esquiver les balles, se retrouve Mia toute seule, joue... ok, pour gagner tout le temps. Là, c'est bien fait, voilà, là je comprends. Tatsu qui prend la balle, qui est loin de son camp. Il casse le carreau pour une potentielle attaque. Il met un petit coup de batte et une bombe au passage. Et il se suicide par la même occasion, très bien joué de sa part. Merci qui s'est fait stun par Mia. Mais Mia, il est très bon. Oh putain, c'est bon. Et Narzis qui pense mettre le cinquième touchdown. Oh ouais. Mais là, j'aurais été dingue. Aïe aïe aïe, nous sommes à 5-2 pour les Wattels. J'aurais fait exactement pareil. Ok, Mia. J'aurais pas pensé qu'il aurait eu assez d'esprit, sérieux. Après un stun comme ça. Ouais, mais en même temps, s'il était si respect, il venait juste de récupérer la balle de Narzis. Ouais. Ça doit être chaud du côté des Imperials quand même, hein. Ils doivent être en train de chauffer entre eux. Le but dans ces moments-là, je pense c'est pas sans s'engueuler. Il reste que 5 minutes. Il reste que 5 minutes. Calme. Restez concentrés. Ouais, de toute façon, ouais, c'est la part comme ça, le rattrapage est assez fréquent dans l'escape, là, hein, la piche. Et là, les finales, ça fout pression aux adversaires. En fait, je crois que c'est un petit peu psychologique au niveau de chaque team. Quand tu... Ouais, l'autre monde commence à perdre un peu patience et tout. Et là, que... tu commences à réfléchir. Mais non, chômage, t'es fort, tu essaies depuis toujours, dans toutes mes parties. Une fois que tu remarques qu'il a pitié, tu vois, quand tu joues et que tu remarques pas qu'il a pitié, tu te dis, ouais, il a pas pitié, tu vois, ouais, tu n'as pas sur le dire. Ouais. Mais quand tu te le dis,
Voilà. Ben, hop, c'est foutu. Ouais, ouais, on voit très très bien ce que j'ai dit. Bah, parce que t'as un peu. Je pense que pour tout bon pro, et bah, je dis pas pro dans le fait d'avoir. Après, faut faire attention. C'est vrai que faut pas négliger la pitié, quoi. Faut dire qu'elle est là quand même, quoi. Ouais, mais bon, comme je disais, comme pour tout bon pro, pas dans le sens avoir les labels pro à côté de toi, hein. Bon joueur, hein, celui qui a les bases. T'es un peu, on va dire que t'es un peu, pas de déshonneur, mais t'es un peu comme dégoûté d'avoir la pitié de tuer le gars qui est en face de toi grâce à la pitié. On est bien d'accord. T'es là, tu te dis, putain, je voudrais pas les niquer parce que j'ai gagné. J'ai réussi avec la pitié, quoi. Ouais, parce qu'en plus, à un moment, tu dis, j'ai un bon petit coup de aim, mais au final, c'est voilà. Bon. Voilà. Tu vois, deux balles, t'as fini l'autre. En bas, j'ai l'heure qui passe tout seul et qui met un troisième touchdown pour son équipe. Je regardais son action au passage. Il a pu faire. Une bonne percée là. Tant mieux, de toute façon, rapide. J'ai fait cas pour son équipe. Je me trouve à 3 à 5 pour les Wattels. C'est une remise en jeu de la balle. C'est qui va la récupérer? Nardi. Merci. Ouais, Nardi, c'est lui. C'est un contre-attaque. Ah, il suffit d'Arcy. Pour une petite équipe. Aïe, il est tombé. Ouais, ça casse. Alors, rien n'est joué encore. Hein. Il reste 3 minutes. 2 TD à mettre pour les Imperials. Et pour les auditeurs de S4, je pense que tout le monde sait très bien que dans S4 League, en 30 secondes, tu peux marquer un TD. C'est rien qui joue. Même s'il reste 20 secondes. Il récupère pas le bon moment, il court. Ah, c'est dommage. Ouais. Là, je pourrais dire franchement, hein, l'homme du match, ou la femme, je sais pas, hein, c'est, je pense que c'est Nia quand même qui, par rapport à l'autre match qu'on a vu précis. Évidemment, c'est plus lâché. Hein. Ouais. Mia, là, ouais. On le voit, il est bon. Hein. Pour ma part, quoi. Après, je sais pas pour vous. Ah, il y a Neoxid hein, aussi qui fait du gros ménage. Hein. Certes, c'est vrai, mais on a plus entendu Mia qui avait ça. Mia, attention. Ah, Mia, elle sort de nulle part. Elle sort de nulle part, plutôt. Neoxid suivi de personne, malheureusement. Qui récupère Narzisme suivi de Darty. Narzisme qui fonce tout seul, il laisse Darty passer devant. Oh non, c'est lui qui va. Narzisme qui fonce. Voilà, c'est dangereux pour les Imperials. Je te remercie, cher Kruk, de ta remarque. Et je vais y prendre note. Narzis suivi de. Mais en fait. Si on marque le jeu de Tatsu, c'est vraiment, c'est le gars de le dire, un emmerdeur, quoi. Il est fait non, pour ça. Oh là là, c'était chaud, là. Ouais. Shena. Ouais, c'est le mec que je vais faire chier mon monde, quoi. Voilà, il est là pour emmerder les gens. Ouais, c'est ça. Quand on sort que tu veux récupérer la balle, bah tiens, je te fous des petits pics. Ouais, mais arrête. Tiens, tais-toi, tiens, prends. Strike. C'est parti, il y a un petit génocide là dans le tunnel. Yandal récupère. Ouais, c'est clair. Yandal qui récupère et qui fonce tout seul. Bon, je pense qu'il va se donner là parce que. Ouais, c'est mieux. Ouais, il tempo. Il reste plus qu'une minute trente là. Ça a l'air un peu chaud là. Pour les Impériales quand même. Il y a toujours moyen là, tu vois. Il y a toujours moyen. Il récupère, mais... il reset, il prend, il entre, il marque. Même pas une minute, même pas. Bah après, c'est vrai que leur côté, s'il est. Ah mais là ça fait gagner du temps je pense là. Ouais. C'est clair que si les Wattels s'ils gardent la balle et gagnent du temps, c'est bon, c'est gagné pour eux. C'est la statiste parce que t'es là, t'attends, l'autre il récupère, t'attends. Oh regarde, hop, il récupère, il descend. C'est un truc de pute, hein. On arrive dans comme si c'était un match de foot, tu vois. Ouais, tu t'en fous. Ouais. C'est pas limite du camp, mais presque quand même. T'es là, t'attends, tu fais passer le temps. Bon, ouais, après, ils sont en train de bloquer la balle en bas, quoi. Ils les empêchent de remonter. Ouais, exact, regarde. Hop, il repart en bas. C'est gagné pour eux, si tu veux. Pas très, très, très. Fairplay, comme on dirait. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2 minutes, on fait des allers-retours dans le tunnel, non, normal. Qu'est-ce que ils font du va-et-vient, attends. Bon, il récupère la balle, 23 secondes, là, toujours moyen, faut jamais. Ouais, il y a moyen de mettre un petit TD, hein. Il fonce, l'équipe, c'est maintenant qu'il faut la récupérer. Mais attention, les Wattels ne se laissent pas faire. Yandal est là pour mettre des traits. Yandal qui entre, c'est 10 secondes de la fin. Là, ça m'a l'air fichu, hein. Il reste 5 secondes. On fait un défi ensemble, 3, 2, non.
Time is up. Fini. Victoire des Waddell 5-3. On va dire que c'était quand même un petit bon match quand même, avec des petits rebondissements par-ci par-là, franchement. Ouais. C'était un bon match, c'était assez serré dans l'ensemble, même si la domination a toujours été du côté des Waddells, mais ça a été quand même assez serré. Est-ce qu'ils vont refaire le deuxième match ou tu penses que c'est ça ? Alors je sais pas, par contre je vais couper l'enregistrement. Et voilà, peut-être qu'ils vont changer la date. T'enregistres aussi là ? Ouais.